Never. Huh? Me. Baby, I can be sensing a bit last 2 days and I've been feeling the kind of shit like me. Bonsoir. We run things from water to whitey. Puppy on the ball like a sailor conga. Then I see a bum like a chick with the big pussy. In the area that he been a bumper. Hey, y'a pas de moyen pour moi de expliquer cela. Dans la moumme, fais pas la pala comme Manibela. Allez, bonsoir tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la saga des sagas. Je suis sûr que tout le monde va retourner d'aujourd'hui avec un lot. Commencez d'abord à partager. Avant de mettre les réponses déjà, hein. On devine et on partage, ok? Aujourd'hui, c'est la saga. La saga. On partage, ok? Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Il s'agit de la chanson de qui? Vous donnez les auteurs et le titre. Et n'oubliez pas de partager. Allez. Dès que vous donnez vos réponses, vos premières réponses, vous partagez, je dirais, dans les groupes. Ok, je compte sur vous. Baby, this is love, forget the grammar. Let me look for you, cause it's possible. Baby, let me be your spanner. We take a bullet for you, fly over the savannah. Cameroon, tu dis que we take it in there to Ghana. The statue on the floor, baby, forget the vanish. Not the bugger, only you can vanish. Somebody ain't just a woman, only you can vanish. Your body, you say, boy, you like something like this. C'est d'amour, mais ma faute compliquée. Et le nom, bah, on s'est pas bâché. Et ma langue, non, con, Marie, la dit que far away. Chansons sont passées comme ça. Oh baby, take me far away. Emmène-moi dans ton royaume. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez hyper bien. Je vois que vous êtes là hyper nombreux. Aujourd'hui, comme je disais, c'est la saga des sagas. Aujourd'hui, tout le monde, je suis sûre que tout le monde va gagner, hein. Bon, déjà, pour ceux qui regardent pour la première fois, ici, c'est Lorvia Renette et j'anime cette émission qui s'intitule le Blind Test Musical. Le principe, il est hyper, méga, méga simple. Je vais lancer des chansons et tout ce que vous aurez à faire, c'est de deviner de quel titre il s'agit et de quel auteur il s'agit. Et il faut faire très attention parce qu'il faut bien écrire les noms des gens, bien écrire les titres des chansons, ok? Et quand vous donnez la bonne réponse, j'inscris votre nom ici et à la fin, on va voir qui a donné... Qui a bien gagné quoi. Mais sinon aujourd'hui, il y a plusieurs choses à gagner. Il y a plusieurs. J'ai besoin de près de plus de 30 gagnants, ok? Bon, pour la première chanson, il s'agissait de Kossi et Mimi et Didier Zoumanto. Et le titre c'est Do Like It Do, ok? Donc, si quelqu'un n'a pas écrit tous ces artistes-là, il s'agissait qu'il est hors sujet. Et j'aimerais bien aujourd'hui, même si quelqu'un ne gagne pas, vous voyez, donner des... J'ai fait gagner des personnes qui auront beaucoup participé à l'émission. Bon, je passe et bonsoir. Bonsoir Chris Kamga, bonsoir Denise, bonsoir Laken. Bonsoir Marilyn, bonsoir Martin Aïna. Bonsoir Christian Serge, Yolande Martial, tu es à l'heure. Michel Singhi, Jamila To et Mons. Bon, je vois Michel Singhi a dit Kossi, Fit Mimi, Didier Zoumanto. Do like a do. Je vous dis que c'est pas parce qu'on va que vous allez commencer à écrire des choses, hein, genre. Tu as collé Fit Mimi, donc du coup, je ne prends pas ta réponse, Michel. Hermon, ça a dit Do like a do, Kossi, Didier Zoumanto, Mimi. Je ne sais pas si tu voulais dire que eux tous la même chanson. Essayez même de faire des. Écrire Fit ou bien X, non? En tout cas, c'est Hermon qui a le point. Mais s'il vous plaît, pour les prochaines chansons, essayez de mettre des écarts ou mettez X quand c'est un featuring. Vous pouvez mettre X ou bien featuring ou bien E pour que ça n'embrouille pas. Bon, j'ai noté le nom d'Hermance et on passe à la chanson suivante. Hermance, selon toi, a son point déjà. On continue avec ceci. Ceci, tout le monde connaît la chanson, donc soyez juste prêts. Et on partage. Elle a changé, oh Anita n'est plus la même. Anita, comme tous les jours, je l'ai dit, il n'est pas où tu viens.
J'habitais doucement à Nidao. À Nidao. Parce que tout ce qui est il n'y a pas de là. Ici, Nidao. Il s'agit de qui? C'est facile, c'est trop facile. Ici, Nidao. Tout ce qui est il n'y a pas de là. Ici, Nidao. Tout ce qui est il n'y a pas de là. J'espère que tu vas bien, ma belle. J'espère que tu vas bien. Loïc Banel qui nous rejoint à l'instant. J'espère que tu vas bien, mon grand. Il s'agissait de Sarah Ciel sur le titre Anita. Oui, c'est le même Sarah Ciel qui a gagné un Afrima Awards l'autre jour au Nigeria. C'était hyper cool, 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 cool. Et il fait partie des artistes qui ont pris la côte cette année. Donc, n'hésitez pas à lire l'article sur les artistes dont la côte a grimpé en 2019. Ok? N'hésitez surtout pas. Bon, 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 regardons qui a donné la première bonne réponse et on va continuer, ok? En passant, les passes que vous allez gagner sont les passes du DOMAF, ça commence demain. Il y aura une panoplie d'artistes. Le DOMAF, c'est l'ancien Douala Hip Hop Festival qui est maintenant devenu le Douala Music Art Festival. Ça débute demain et vous allez voir le programme, ça sera hyper top, top. Donc du coup, ceux qui vont gagner aujourd'hui, on va trop s'amuser là-bas au DOMAF. Bon. Regardons qui a donné Sarah Ciel, Anita en première position et on continue. Parce que moi j'ai besoin de l'hello à tout le monde. Je vois Yolande Martial, est-ce que c'est Yolande qui a donné en première position? Oui. Yolande Martial dit Anita, Sarah Ciel. C'est Yolande qui a donné la première bonne réponse sur ce coup. Marilyn Kemwecha a répondu en retard. Mais ce n'est pas grave, ok? On continue avec la prochaine chanson. Ici à Tchang, Enéo a frappé. Et t'es dit, moi, t'as eu peur parce qu'Enéo nous a aussi frappé. Maintenant, la chanson qui arrive là, c'est une chanson qui est hyper nouvelle. Hein? Qui est hyper nouvelle. Écoutez bien, ne soyez pas pressé. Ne soyez pas pressé. Le nom d'une personne. Oh, Charlène, tu pars où? Salut, Adrich. Il s'agit de Stanley Eno. C'est un extrait de son nouvel album Stanley versus Eno. Et il est en featuring avec Diamond Platnumz, avec Ariel Chenet. Et le titre, c'est My Way Remix. OK?
C'est My Way Remix. Donc regardons qui a donné la bonne réponse et on continue, ok? Bon, je vois plusieurs bonnes réponses, waouh! J'ai déjà lu le deuxième, Nyangonodol. Ah oui, Loïc, tu as lu, oui, c'est cool. Quand tu lis les articles, quand vous lisez les articles comme ça, si ça vous plaît, il faut partager, hein. Quand vous partagez comme ça, ça permet à d'autres personnes de s'édifier, quoi. D'être au courant de ce qui se passe. Yolanda a dit, Stanley Eno, My Way Remix, non, il manquait quelque chose. Christian C. J'ai dit Stanley Eno, fit Ariel Chenet, fit Diamond Platinums. Oui, il a bien écrit. C'est bien ça, non? Parce que le nom de Platinums, là, vraiment, pour trouver ça parfois, c'est déjà... Oui, il a très bien écrit. Donc, du coup, c'est Christian Sage qui gagne ça. Christian Sage! Oh, les gars! Bon, on continue avec ceci. Je regarde. Jamila Tou en retard. Michel Singer en retard. Chris Kamga en retard. Stéphanie Aono. Tu as dit Stanley et Diamond. Tu as oublié Ariel Chenet. Charlène, tu as écrit My What? Ce n'est pas en featuring avec Fally Ipupa, non. Denise Siemini en retard. En retard. Bon, on continue avec ceci. Ceux qui ont lu les articles cette semaine, ça c'est pour ça. C'est un upcoming. Donc, du coup, j'espère que vous allez le découvrir. Anyway, écoutez. J'ai déjà lu l'article plusieurs fois. Les articles là. J'arrête. Waouh, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des personnes qui checkent les articles et qui écoutent les chansons de là. Anyway, il s'agissait de Smelo. Smelo et le titre c'est Wine Fimi. Oh là là, ça me donne envie de donner même 2 points à la personne là, carrément. Je vois Christian Sage qui a donné la première bonne réponse. Il a dit Smelo, Wine Fimi. Il a très bien écrit. Oh là là, je suis trop contente. Christian Sage. Bon, on continue avec ceci. Michel Singhi, c'est ça aussi, c'est bien. Yolande, super. Et Smelo m'a dit qu'il va faire une séance blind test spéciale ici là. Déjà, il va vraiment partager différents lots, plusieurs lots à ceux qui vont écouter son EP, qui vont trouver les titres de son EP qu'on va lancer le jour là. Donc, soyez juste prêts parce que Smelo, il va vous produire du sale avec les cadeaux ici. Bon, on continue avec ceci. Bon, la chanson, c'est bien, la jouer seulement 45 secondes. Parce que ce sont les chansons que Facebook aime couper. Bon, vous êtes prêts? Elle veut que je mette dans un sud, donc coupez les galets, la famille, c'est du crack. Elle fait des mots, pas une affaire de rap. Puis de là-bas, ça va aller. J'espère que Dieu va pouvoir toucher ici, hein. Pas la meilleure empathie, mais la plus efficace. Paris, je t'aime, la terre est partie quand même. Vaillement dédicace. Pas dans la tête, pas la meilleure empathie, mais la plus efficace. Paris, je t'aime, la terre est partie quand même. Vaillement dédicace. Tout banane, tout banane. Y'a des fonds du champagne, si c'est banane. Si à la fin de l'émission, je n'ai pas au moins ces 30 gagnants ici, je vais partager le reste de l'eau. Ok? Donc, à ceux qui auront participé, qui auront beaucoup participé, Nelly, ça dit quoi ma puce? Depuis on attend que tu
viens chercher tes passes dans les locaux, tu n'es jamais arrivé. Pourquoi? Bon, on regarde alors qui a donné mes bonnes réponses ici. Et comme je disais, même si à la fin, je n'ai pas 30 gagnants ici, n'est-ce pas? Je vais faire gagner ceux qui ont beaucoup participé à l'émission aujourd'hui parce que j'ai besoin de 30 personnes ou bien même plus, ok? Bon, regardons qui a donné mes bonnes réponses. Il s'agissait de Fally Ipupa en featuring avec Booba et le titre c'est Kinam. C'est Kinam. Regardons qui a donné la première bonne réponse et on continue. Je vois Christian Massa. Christian Serge, t'es gonflé à bloc, hein, mon père. Christian Serge, c'est lui. Yolande, tu as écrit Fally Ipupa. Tu as mal écrit. C'est encore Christian Serge. Hey! On continue avec ceci. Tout le monde connaît la chanson aussi. Chris Kamgan, en retard. Jamila, toi en retard. Mija Singhi, en retard. Jean-Marie, tu n'as pas de climat. Non, pas, je n'ai pas de climat ici, ok? Je n'ai pas de climat. Désolé pour moi. Bon, on continue avec ça. Quand Christian Serge là, c'est mort pour toi. N'est-ce pas, Christian Serge fait quoi? C'est devenu le maître. Bon, il s'agissait de Mr. Shine en featuring avec Charlotte Diponda et le titre c'est À jamais. À jamais. Comme je le disais, même si on n'écrivait pas avec l'accent, je ne vais pas mettre de. Je ne vais pas barrer. Hein. Go voir le match de Chelsea. Lol. Je ne sais pas comment faire. Nelly, tu ne sais pas comment faire quoi, ma belle? C'était ma... Bon. Nelly, je ne sais pas trop ce que tu dis. Bon, je vois la Christian comme Gadi, Mr. Shine, fit Charlotte Diponda à jamais. Je donne le point à Chris Kamgan. Oh là là! Chris Kamgan a le point. Comment sont seulement les Christians? Les Chris qui ont beaucoup de points comme ça là. Eh? Il y a quoi? Bon, on continue avec ceci. Bon, ça aussi, c'est une découverte. Ça sera une découverte peut-être pour vous, mais ceux qui ont lu les articles vont le connaître. Ça va aller,
l'article là, ouais. Asia, ça va t'apprendre à lire les articles. Ça va t'apprendre à lire et à écouter les sons qui passent dans les articles. Bon, il s'agissait de Nelio Star. Et le titre, c'est « Ça va aller ». Nelio Star, c'est la nouvelle pépite de Makia Prod. Et il travaille aussi avec Sony. Avec Sony, le label Sony. Bon, regardons qui a donné la bonne réponse et on continue, ok? Bon, ah, Nelly dit qu'elle ne sait pas comment faire pour récupérer ses lots. Évidemment, il fallait écrire en inbox. En inbox, là-bas, je devais te donner un numéro. Tu devais appeler pour passer dans les locaux. Donc, après l'émission, tu peux toujours le faire. Tu viens inbox et je te donne le numéro, ok? Bon, c'est l'anniversaire de qui? Jean-Marie, bonsoir. Ouais, pardon, demande au mec là d'arrêter de bavarder trop fort comme ça. C'est son anime, je suis scotché pour le père Molo en réunion, ils se sont crucifiés. Voilà, Christian Serge a dit, Nelio Star, ça va aller. Encore Christian Serge, mon frère, il y a quoi non? Christian Serge, il y a quoi non? Nelio, gagné par Christian Serge. Ah, le gars, c'est à la rage. Mon Dieu. Bon, regardons, Yolande en retard, Michel en retard, Jamila tout en retard, Charlène en retard. Mathilde Mouto, non, ils répondent avant, peut-être que ta connexion n'est pas hyper bonne. Cyril Tchana, bonsoir, mon grand, plein de bisous à toi. Ah, ok, essaye encore Nelly. Bon, continue avec ceci. Seront là au Domaf ce samedi. D'imaginer ceux qui veulent voir Joby. Vous savez déjà que Joby, il ne reste pas à Doule. Il reste surtout à Yaoundé. Donc, il est rarement sur des scènes. Il est très rarement sur des scènes. Donc, imaginez, vous allez rencontrer Joby ce samedi au Douala Music Art Festival. Gars, ceux qui ne veulent pas. En tout cas, on va leur raconter l'histoire. Bon, il s'agissait de Joby ou bien de Renis en featuring avec Joby sur le titre Mike Jackson. Regardons qui a donné la bonne réponse et on continue. Bon, j'ai essayé d'écrire IB sur le site. Bon, j'ai déjà répondu à ça. J'ai écouté il y a juste 30 minutes. Vraiment, Christian? Bon, pendant que tu disais que tu écoutais ça il y a 30 minutes, quelqu'un écrivait la réponse. Yolande a dit Renis, Mark Jackson a oublié Joby. Chris Kamga, tu as oublié aussi Joby. Jamila, tu as oublié Joby. Ensuite, Yolande a dit Fit Joby. Elle s'est rattrapée. Ok, je donne le point à Yolande. Mais il faut... Ça, c'est la chance pour toi, Yolande, parce que parfois, tu fais comme si une autre personne vient et te dépasse en donnant la première bonne réponse. Bon, je note Yolande et on passe à la question suivante. Et ceux qui ne partagent plus, là, je vous vois. Bon, Lovia, titre. Emile, le temps que tu écris Lovia, tu aurais pu écrire Renis, Michael Jackson, Fit Joby. Tu vois? Bon, on continue dans la même lancée. Quand partout dans les lendemains, là où je chie, c'est là-bas où tu manges. New Bell, on fait du salé, on a plus tu déranges. Pas l'histoire de Tcham Tcham, les nouveaux rires ne font que commode. Nyan Nyan, yeah. Il s'agit de qui? Débuter! Avant de tout, moi et Tcham et Lam.
guerre. Ici on boit tout le monde et maintenant des brouillards. Tu fais un peu ici. Il s'agit de qui? C'est facile, non? Sous le soleil comme un marouillard. On ne crie pas les états, la vie c'est pas à part. Tu veux plus d'abord chercher la pétasse. Son rôle ici c'est pour vendre les lances. Ballon des rangées à toucher les formes. Tu penses que le film est bon, tu es con. Hier en bois, tu es que tu veux l'homme. C'est que tu mates, on a choc le bouillon. Bon, et des fois, quand vous les parlez, ça envoie les batailles. Et puis après, on se brise les poumons. Devil no sleep, bro. Mais why la no game no sleep, bro. Mais là, tu dors, est-ce que le diable dort? Et puis tu meurs le sommeil, c'est le cousin de la mort. Devil no sleep, bro. Ok, c'était pour vous donner encore un avant-goût de ce samedi. Jovi sera là. Et hormis Jovi, il y aura une panoplie d'artistes tous ces jours. Toto Guillaume, son enfant Thomas, Lidl, Sodip, Max Thor. Allez sur la page après l'émission, vous allez voir le programme avec tous les artistes qui seront là. Ça sera vraiment moi. Bon, regardons qui a donné. Il s'agissait de Jovi sous le titre Devil Not Asleep. Oui, Devil Not Asleep. Bon, regardons, c'est juste que je ne suis pas anglo. Ah, si tu n'es pas anglo, Cameroun est bilingue, hein, mon frère. Donc, ne viens pas ici sortir ce genre d'excuses-là. Regardons qui a donné en première position. Chris Kamga. Il a écrit David No Be Sleep, maman mie. Non, papa, même avant, on dirait Sleep, hein, mon frère. C'est Yolande qui a donné. Attends, Yolande a dit Jovi, David No Do Sleep, non. Emile Showtime a dit Jovi, David No Do Sleep. C'est Emile Showtime qui a donné la première bonne réponse. Emile Showtime, tu entres pour la première fois ici. Bon, on continue avec ceci. On go un peu se balader dans des sentiers anciens. Oh là là, cette chanson. Tes yeux imaginent ta vie dans ce pays où les hommes politiques sont entrés, où la liberté d'expression est une conspiration, où le dollar s'utilise avec des canons, où on peut mourir de simple fièvre, où les épidémies se promènent sans laisse. Crois-tu vraiment tenir sous la canicule de ces pays où pendant 2 mois tu penses que toute la nuit brûle? Imagine ta vie sans eau potable, une douche des jours de pluie par groupe mis sur la table. Imagine-toi dans un hôpital avec une maladie incurable, une maladie qui touche coupable. Imagine-toi enfermé comme Natacha Campouche, ou brûlé comme un Magalédon dans le bus. Ouvre les yeux maintenant et avant de souhaiter la vie, réfléchis dorénavant. Ça n'arrive qu'aux autres, est-ce pas tant que ça ne me touche pas? Allez, j'attends la réponse, c'est trop facile, mon Dieu! Relativiste, ferme les yeux, imagine-toi. Yo, ferme les yeux, imagine-toi. Quelque part en Afrique, dans un village bâti de terre sous un soleil de plomb. Imagine l'air chaud, l'eau s'est étendue désertique. Se mettre au trou pour de chèvre et ce bâton. Imagine cette longue marche que tu dois accomplir afin que tes bêtes puissent perdre, se rafraîchir. Tes 30 bonnes affaires, ces voleurs de bétail, car la vie complétise à réfléchir. Imagine Madagascar et ses montagnes d'ordure. Imagine tes huitaines et tes plaisants chaussures. Imagine tes mains dans les détritus. Ou un bout de grand-mère, tu t'y habitues. Imagine Paris et son bébé. Les gars qui viennent ici pour blaguer là, il n'a pas ses showtime. Mais ça, luttons contre le froid, luttons contre la gare. Maintenant, imagine. Ouais. Il s'agit de qui? Je vois de très belles réponses là. En passant, pour ceux qui l'auraient oublié, Atom, Mon Paris 2019 et moi-même sommes nominés au Bonté Digital Media Awards. Donc, on vote chaque jour, ok? On vote chaque jour. N'hésitez pas à voter pour nous. Pour moi, je suis nominée comme dans la catégorie meilleure blogueuse. Atom est nominée dans la catégorie Best Digital Entrepreneur et Mon Paris dans la catégorie meilleure campagne digitale de l'année 2019. Donc, n'hésitez pas à voter pour nous. Les votes se passent chaque jour. Chaque jour. Donc, on peut voter plusieurs fois jusqu'au 16. Donc, on compte sur vous. En parlant maintenant de la chanson, il s'agissait de Blacko en featuring avec Soprano. Et le titre, c'est « Ferme les yeux et imagine-toi ». Oui, exactement, c'est ça. « Ferme les yeux et imagine-toi ». Je vois beaucoup de bouts des réponses. Hé, Nelly, toi, tu étais où, non? Ouais, maman.
Bon, regardons alors qui a donné en première position. Je vois Anderson Kuotang qui dit soprano Vit Blaco, imagine. Ce n'est pas tout. Michel Singhi, ce n'est pas tout. Ce n'est pas Crotal, mon frère. Qui dit Crotal là? Le rap, yo, parce qu'elle n'aime pas le rap. Yolande, toi, si un jour on va faire le karaoké, toi tu vas faire le rap là. Je vais te regarder chanter le rap ou bien rapper. Eric Angoun a dit soprano Vit Black, ferme les yeux. Mon, tu as oublié, c'est Black ou pas Black. Jamilatou, c'est pas ça. Yolande s'est rattrapée du soprano Vit Black, ferme les yeux, imagine-toi. Oui, c'est ça. Yolande Martial, maman, tu as essayé ce qu'elle a trouvé. C'est ça qu'on appelle la résistance. Ouais. Bon, je note et on continue. Mais je sens comment je vais partager les cadeaux là aux gens. Hein. Parce que là, je vois, il fait que voir les mêmes noms. Laissez-moi les autres gagner, non. Il y a quoi? On continue avec ceci. C'est une nouvelle chanson. Une très belle chanson. Une chanson que j'aime bien. Il s'agissait de d'Indira en featuring avec Serge Beno et le titre c'est J'aurai la victoire. Et si vous écoutez un peu la qualité du son, j'aurai ma victoire. Le son s'était fait ici à Yaoundé. Indira n'a pas eu besoin de voyager pour faire le son là. C'était ici dans les locaux Ekiebozer Entertainment. C'est ici qu'ils ont enregistré ce son. C'est ici que Boza a arrangé, c'est ici que Serge Beno a composé le beat de cette chanson. Ouh, anyway, c'est Ekiebozer Entertainment. Pour tout votre problème d'audiovisuel, beat, mix et mastering, séance photo pro, machinine, nanana, qui concerne l'audiovisuel, Bena Ekiebozer Entertainment, ok? Regardons de qui s'agissait. Regardons qui a donné la bonne réponse. Bon. Il te faut l'esprit de partage, vraiment il vous faut l'esprit de partage. Bon, regardons qui a donné. Jamila, toute ta collection dérange, ouais maman. Emile Chotain, merci pour les votes. N'oublie pas aussi de voter pour Atom et pour le projet Mon Paris 2019. C'est l'équipe qui gagne, c'est voilà ma consulting qui gagne, ok? C'est un Fab Sang, non? Bon, je comprends pas. Bon, la question c'est, j'ai dit Indira fit Serge Beino, j'aurai la victoire. Christian, c'est encore toi mon père. Ouais. Christian sèche encore. Mais ne vous inquiétez pas. Et comme je l'ai dit depuis, même si à la fin, il n'y a pas votre nom dans cette liste, je vais vous donner des passes. Mais peut-être je vais donner deux passes. Deux passes. Et peut-être ceux qui sont ici n'atteignent pas, disons, 15. Je vais leur donner peut-être deux passes. Ou bien à certains deux, à certains un seul. Et le reste, je vais partager à tout le monde. À ceux qui auront été vraiment actifs sur le direct, ok? Bon, on continue avec cette chanson, celle-ci.
On boit un peu encore de yola. On va jouer ça seulement 45 secondes. 45 secondes. Vous êtes prêts? Dès que les anges se sont mis à grimper, ça, heureusement que je me suis rendu compte, j'ai failli être emportée par la musique là. Eha! Il s'agit de qui? Je vois de belles réponses, je vois de belles réponses. Oh là là! Vous aimez trop quand c'est facile comme ça. Il s'agissait de Singila en featuring avec Koffi Olomide. Et le titre c'est La femme de quelqu'un. C'est ça, non? Oui. La femme de quelqu'un. Regardons déjà qui a donné la première bonne réponse et on continue. Il faut l'esprit des partages. Christian Serge a dit Singila fit Koffi Olomide, la femme de quelqu'un. Christian Serge, ça va. Sûrement que tu auras le premier point. Ça va. Laisse les autres répondre. Laisse les autres répondre. Il y a quoi? Ouais, Singila. J'ai dit Singila. Christian Serge, je t'appelle déjà Singila. Yeha. Bon, on continue. Ouais. Bioma Kalachoko, en retard. Émile en retard. Christelle Jonke en retard. Christelle, tu as oublié de mettre Koffi Olomide. Christina Cléopâtre a dit Singila fit Koffi Olomide, la femme de quelqu'un. Oui, c'est bon, mais tu es en retard, Christina. Bon, on continue avec ceci. Et n'oubliez pas de partager, ok? On partage. FD, babe. I should fall dead. Give a bad ginger go after me. Give a bad ginger go after me. Ma chérie, j'espère que tu ne vas pas bien. Ouais. Rien de bon ne t'arrive depuis qu'on est plus ensemble. Ma haine est volontaire. Si je gagne 100 millions, ma souhait, Joe, et donne-toi quelqu'un pour kidnapper ton père. Ton petit frère qui m'appelait, ton danse, j'ai dit lui que s'il me voit, il tout l'effort pour que je ne vienne pas. Il s'agit de qui, pour que quand tu sautes au bas, il n'y ait jamais ton cou. Ouf, avec la tête comme la plume, il veut quand tu fasses que tes cheveux. Le sanctuaire de la magie, c'est bon. Lorsque tu veux couper les pommes, tu as construit un pont. Sarah, et c'est même que je vais avoir le pouvoir. Tu m'as vu et tu m'as dépouillé, tu es amoureuse. Ok, je prie que tu n'aies pas de ménopause. Et j'espère que toute ta vie, tes règles seront plus douloureuses. Je n'avais rien à faire. C'est vrai que je suis sourd, mais n'accuse pas la pierre. C'est vrai que je suis sourd, mais n'accuse pas la pierre. Si je prie pour que ton enfant a des pommes avec ta mère. Je te respecte. Ma chérie, je t'aimais. Quand j'étais avec toi, c'est toi que j'étais. Je t'aime plus là-bas. Ma boîte m'a dit que tu es taille. J'étais triste quand j'ai accepté la blague. Tu me bats et Gigi Koi, c'est ami. Wanda, même si toi, c'est même qui serait ton mal. Tu me bats et Gigi Koi, c'est ami. Wanda, même si toi, c'est même qui serait ton mal. Et tellement ton mal que je ne veux pas que tu me bats le fond que j'étais pas. Je veux qu'on te tape et qu'on l'arrache. Et tellement ton mal. Quand tu l'écoutes, tu peux mourir de rire. Et, mais en même temps, ça, c'est trop de talent. Trop de talent. Ça, il faut classer toutes ces punchlines comme ça. Gars, ça, c'est la magie. Anyway, il s'agissait de Sodip, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le titre, c'est Lettre à mon ex. Lettre à mon ex. Oui, c'est ça. Gars, si moi, je suis à la place de l'ex de Sodip, là, je vais vouloir me cacher quelque part. Et qu'on ne me trouve plus jamais, mon frère. Vraiment, c'est quel cœur ça, non, Christian? Yay! Bon, Michel Singhi a dit Sodip, lettre à mon ex. Oui, c'est ça, Michel Singhi. Michel Singhi, ce nouveau Sodip. Il a gagné le way de Sodip.
Bon, j'ai déjà noté le nom de Michel. Émile Chotin m'a dit Sodip, il n'a pas donné le titre. Dion Makala, où est le titre, papa? Elion Protect Fit Sodip. C'est juste Sodip, juste qu'ils ont mis entre parenthèses Elion Protect pour dire qu'il est du groupe Elion Protect, en fait. Jamla, tu es en retard. Plusieurs d'entre vous en retard. Cadeau-moi alors ton point nord, la maîtresse. Ouais. Laisse-moi essayer un rendez-vous, on arrache seulement mon téléphone. Asia, bon, on continue avec cette chanson. Oh, tout le monde va trouver ça. Oh. Il fait partie du classement du nouvel article que nous avons fait aujourd'hui des artistes dont les côtes ont grimpé. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, toi et moi, c'est pour l'éternité. Sisol, et le titre c'est Éternité. Donc même Smelo veut le OM comme nous. Où est Smelo? Mais non, ok. Il peut vouloir, il partage à quelqu'un tout qu'il peut vouloir pour lui. C'est pas interdit. Hein? Bientôt, on commence à inviter les artistes là qui viennent jouer avec nous. Ça va encore être plus fun. On va aller voir rater les sons des gens. Ça sera encore plus fun. Il s'agissait de Sisol, le titre Éternité. Regardons. Michel Singhi, c'est lui qui a donné en premier, si je ne me trompe pas. Oui, Michel Singhi encore. Michel Singhi, Christian, c'est, si tu es encore là, sache que Michel Singhi peut prendre ta place. Ouais, Michel, un point de plus. On continue avec ceci. Hein. On goûte un peu, on reste toujours Cameroun, mais on goûte un peu, encore un peu en arrière. Oh, le son, c'est là. Oh, le son, c'est là. Laisse en fond, c'est trop top. Il s'agit de Nadja et Wonde.
En featuring avec Stéphane Guifo. C'est une Guifo, oui, c'est une Guifo. Et le titre c'est Fais-moi l'amour, ok? Cette chanson, est-ce que vous connaissez même quelle est l'origine de cette chanson? Je ne vous dis pas parce que nous sommes en train de faire un article qui sera publié demain ou après-demain qui va vous étaler un petit peu l'histoire de cette chanson Fais-moi l'amour. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, hein? N'hésitez pas à cliquer parce que peut-être mercredi prochain, je pourrais. On ne sait jamais. Bon, regardons qui a donné la première bonne réponse. Stéphane Guifo, Nadia et Wanda, Fais-moi l'amour. Oui, Michel, papa, baisse le rythme, non? Moi, j'ai chassé Christian Serge. Bientôt, Michel va le rattraper. Ouais, carrément. Son fils se marie le 27 décembre. Le fils de qui? De Nadia et Wanda. Bon, on continue avec ceci. L'avant-dernière chanson de la soirée. Avec les mal élevés, avec les mal éduqués, avec les A, B, C, D, Jolene. Yele, yele, yele. Devinez ça. 1, 2, 3, yele. Quand une souris j'existe. Je me perds dans le vide. Quand tu me sers de vivre, tes problèmes, tes portes sur mon dos, t'es ma raison de vivre. Yele, 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 yele. Écrivez bien, oh, écrivez bien. Yele peut vider le bar avec les waka, il enchaîne les regards, il marche. Les marches avant les bas, achète les rêves et revend les cauchemars. Yele est un roublard, un bourgeois dans la scar, un fétin en bouchard, une vieille voiture sans phare. Maman, tout ça pour mon gars, maman, est-ce que c'est ta part? Et même si les phares, les phares, les phares, les phares, les phares, les phares, c'est le mien. Qu'on aime intensément, ce qu'on aime seulement et qu'on aime éternellement. Yele, je t'aime comme jamais je n'ai aimé quelqu'un, tu sais, qui est mon début, mon milieu, même ma fin. Ah, le sang, c'est pas et qui est posé à tes têtes, maintenant. Vous suivez la qualité? C'est un autre sang qui était fait et qui est posé à tes têtes, maintenant. S'il vous plaît. L'idole, c'est une chanson de l'idole. L'idole, vous n'êtes pas obligé de mettre la slameuse devant. L'idole et le titre c'est Yele. Regardons qui a donné. Ce n'est pas Tcholé. Smelo, ce n'est pas Tcholé ou Tcholé. Je sens qu'il faut vraiment que j'invite des artistes ici, bien jouer avec vous. On va voir les cancans réponses des artistes ici. On les oblige à donner des réponses. On va vraiment mourir de rire. Bon, bon, bon. Vraiment, Michel Singhi connaît tout. Il connaît même le jour que le fils de Nadia Wande va se marier. Gars, Emi Chotin m'a dit l'idole la slameuse, mais tu n'as pas donné le titre, Emile. Michel Singhi a dit l'idole Yele. Il connaît vraiment tout ce Michel Singhi. Michel, tu connais tout, hein. Et tu es en train de rattraper. Tu es en train de rattraper Christian. Bon, la dernière chanson de la soirée. On clôture avec. En gauche, un peu en bec, non? Devinez. C'est ça qui m'a partagé beaucoup de tickets, hein? À ceux qui ont beaucoup interagi pendant le direct. Baby,
connaissent pas. Les anciens succès, le son c'était hit au Cameroun. Ça fait buzz. Personne n'a encore donné la première bonne réponse. Bon, je fais le décompte en attendant. Il s'agissait de Westlife, du groupe Westlife. Et le titre c'est Full Again. Full Again. Full Again. Mais un autre son. Je ne mets pas un autre son. Il y a quoi? Je ne change pas. C'était le dernier son de ma playlist. Bon, nous sommes à la fin. Il y aura des personnes qui auront le OM et deux passes. D'autres qui auront juste deux passes et d'autres qui auront un passe, ok? Bon, là, je vois déjà, hein? Oui, Michel Singhi, c'est toi qui as trouvé, j'ai déjà noté ton nom dans le carnet. Yo, le boss, ça dit quoi? Bon. Christian Seja a eu 6 points, il a 6 points, donc du coup, c'est lui qui gagne le OM avec deux passes pour le Domaf. Ensuite, nous avons Michel Singhi. Toi aussi, tu as gagné. Un dernier. Ouais. Bon, cherche un. Il veut mettre un son de Smelo. Comme il est même là. Il a son EP qui est sorti l'autre jour, là. Cherche un son de Smelo. Smelo, tu ne dois pas répondre. On met un son de Smelo. Écoutez-vous le son de Smelo aussi. Bon, les passes. Non, il y a juste un OM aujourd'hui. Le reste, ce sont juste des passes. Donc, tous ceux dont les noms sont ici vont gagner deux passes. Et il y a juste Christian qui va gagner deux passes et un OM, ok? Le son qui passe là, c'est une chanson de Smelo. Et le titre, c'est Philippe. En tout cas, Alphonse, tu as droit à deux passes. Yolande, deux passes. Christian Serge, deux passes et un OM. Emile Showtime, deux passes. Christian Kamga, deux passes. Et le reste, je vais regarder vos noms. Michel Singhi, donc tu connaissais même le titre de la chanson aussi. Le gars s'y connaît vraiment tout, quoi. Donc, ça veut dire que peut-être le jour où Smelo va faire son waist là, vous allez tout rafler les dos là. Yay! En tout cas, je vais donner les passes à plusieurs d'entre vous, ceux qui ont été vraiment là. Des personnes comme Denise Siemeni, des personnes comme Djamila, tout qui était là depuis le début du direct. Qui d'autre? Il y a eu qui encore? En tout cas, je vais essayer de lire. De regarde. Même Nelly, toi aussi, tu vas avoir ton passe.
deux, bon, un passe. Hein. Donc, du coup, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Je vais afficher comme d'hab les noms des gagnants d'aujourd'hui, mais vous les connaissez déjà. En plus je vais donner les passes aussi à ceux qui ont été vraiment actifs durant le direct, ok? Bon, vous allez vous porter hyper bien. Et n'oubliez pas de voter pour Atom, Mon Paris 2019 et moi-même, Lovia Renette, pour les Bontés Digital Media Awards. Le lien du vote, c'est sur la page. N'hésitez surtout pas. Et aussi, lisez beaucoup les articles que nous publions. Lisez les articles et partagez-les parce que, comme vous l'avez constaté, de temps à autre, ici, je lance les sons qui sont dans les articles. Quoi d'autre? Bon, c'est tout pour le moment. Portez-vous hyper bien. On va arrêter l'émission. On se retrouve demain parce que le domaine commence demain. Ceux qui vont venir récupérer leur ticket, faites tout pour venir récupérer au moins ce demain pour que vous puissiez vraiment enjoy le Douala Music Art Festival. Portez-vous hyper bien. Plein de bisous à vous. Et j'espère qu'on va se voir très bientôt. Très, très, très bientôt. Très, très, très bientôt.